Un homme armé en vaut deux. Revue corporative, j'ai à ce jour produit 28 des meilleurs films de la télévision publicitaire. Alors je pense que tu peux me faire confiance. Scott, je t'aime, alors évidemment, je prends toi. Mais avoue que le sujet du film que tu veux me faire tourner est complètement idiot, c'est vrai. T'as digne de toi. Dans cette agence, j'ai l'impression que tu galvaudes ton génie. Tu vas me faire rougir. J'ai une surprise pour toi. J'ai eu New York au bout du film, que ça leur plaise ou non, j'ai décidé que nous allions reprendre ton idée de Tahiti. Oh, Scott, tu es un amour. Monsieur Neville, je voulais surtout vous remercier d'avoir pensé à moi. Oh, ne me remerciez pas, Emily. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Vous avez une très jolie médaille. Oh, ça, c'est notre insigne. Ça veut dire aux gens qu'on appartient à la surveillance de la cour. C'est vraiment passionnant, n'est-ce pas, Scott? Bon, alors maintenant, parle-moi donc un peu de Tahiti. Sincèrement, je crois que c'est une bonne idée. Je suis comme Hemingway, dans le fond. Mes histoires, je les vis. Mes personnages, je les vois. Non, c'est vrai, je ne pourrais sûrement pas écrire un bouquin sans aller d'abord sur les lieux. Ah, tiens, en parlant de ça, ça me fait penser qu'il y a ici un couple d'amis à moi. Ces gens-là sont tout à fait charmants, de vrais personnages de romans. Vous voyez, ils habitent sur la côte, le long de la plage. Une minute d'attention, je vous prie. Je tiens à dire à notre nouvelle promotion de garde-côte qu'elle n'aura pas toujours exercé sa surveillance sur une mer calme sous un ciel bleu et que pour les requins, ils seront un excellent appât. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, excusez-moi, je ne sais pas bien mâcher mes mots. Bon, ben, si vous approchez du buffet, les garde-côtes, il ne faut pas vous couper l'appétit. Votre horoscope, ma belle, c'est peut-être le dernier. Vous avez vraiment un sens de l'humour noir qui ne me plaît pas du tout. Allons, calme-toi. Gentil. On va voir ce qu'il dit. Alors, on peut savoir? Il dit, ne vous baignez pas. Ce n'est pas votre jour. J'aimerais bien vous casser la gueule. Mais non! Vous croyez que j'ai peur de l'eau ou quoi? Vous pensez que je n'irai pas parce qu'une amie à moi s'est fait dévorer par un requin? Est-ce que j'ai dit un truc comme ça? Non, mais je suis persuadée que vous l'avez pensé, hein. Mais je suis pas comme ça, moi. Je vais vous montrer. Émilie, non, c'est pas la peine. Oh, c'est vous alors qui avez la trouille. Non, non, ça va tous les deux, hein. Vous prenez pour Mohamed Ali. Vous allez voir. Vraiment, j'aimerais bien savoir ce que cette fille essaye de prouver. Je crois que les gens s'imaginent que le mauvais sort ne peut frapper que les autres. Un requin! Un requin! Un requin! Oh! Ah!
Je ne suis pas fâché de vous voir enfin là. J'ai un tas de papiers importants à vous faire signer. Et puis il va falloir prendre une décision à propos de vos sacrés terrains à bâtir. Ah ah, en ce qui concerne votre propriété de lutin, on nous fait une proposition valable. Mais je me demande si c'est le bon moment pour vendre. Qu'est-ce qu'on en sait? Et si tu m'emmenais faire une promenade en ma tour? Je crois bien que ça pourrait se faire. Houston? Je t'attendais. Ah non, 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 permettez, hein, j'étais le premier. Les patrons de le LFF patientent dans le bureau et je pense qu'ils sont prêts à signer. Oui, j'avais oublié, c'est vrai, cette petite affaire m'intéresse, alors je... Est-ce plus important que ton ami qui est dans mon bureau depuis plus d'une heure à l'Islande? J'insiste, ils ne voudront plus me croire. Oui, écoutez, Murray, si vous avez la conviction qu'il s'agit d'une bonne affaire, avancez les pourparlers, mais attention, si vous en êtes absolument, absolument certain, et dans tous les cas, ne signez rien sans m'en avoir parlé avant. C'est évident, Houston. Comment, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut reconnaître qu'il est très fort pour se débarrasser des corvées. Oh, monsieur Houston, comme je suis heureuse de vous voir. Alice, soyez sûre que c'est réciproque. Oh, je sais que vous avez un travail terrible. Est-ce que Miss Parson vous a expliqué? Oui, elle a commencé à m'expliquer par la radio, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre, parce que comment diable un requin pourrait-il donc réussir à commettre un meurtre? Mais je l'ai dit, c'est vrai. J'admets que c'est assez peu plausible, dit de cette façon, mais je crois pouvoir vous expliquer. Vous vous rappelez de ma fille, Sue? Voyons, comment pourrais-je l'avoir oubliée? C'était la plus jolie petite fille du monde. Sue doit avoir dans les... 19 ans. À 19 ans. Eh oui, comme vous voyez, ça n'est plus une petite fille. Non, ça... La photo a 3 semaines. C'est le jour où on lui a remis son diplôme de garde-côte. Ah, ben je ne pense pas me tromper en affirmant que le nombre de garçons ayant besoin d'être sauvés doit être en augmentation depuis que votre fille a pris son poste. Monsieur Houston, j'ai peur. Depuis, j'ai la conviction qu'elle pourrait être victime d'un meurtre. Par un requin. C'est ça. Ouais. Voyez-vous, cher ami, j'ai l'impression que si on buvait un petit café, ça nous ferait du bien. Oh, avec plaisir. Vous voyez, j'en étais sûr. Par ici. Houston, si tu lisais les journaux, tu saurais qu'hier, un autre garde-côte a été dévoré. Encore une femme, et bien entendu, ça a eu lieu sur la plage de Malibu. C'est exact. Elle aussi avait une 20aine d'années. Oui, j'ai été tentée d'appeler la police, mais je me suis ravisée. Alors, Alice, vous avez travaillé pour Houston Industries pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Et vous faisiez fort bien votre travail. Je comprends parfaitement votre sens des responsabilités en cette occurrence. Mais pour vous parler tout à fait franchement, Alice, je vois mal comment on pourrait utiliser un requin pour commettre un meurtre, ça. Vous dites avoir apprécié mon travail. J'étais au bureau des statistiques. J'avais à faire des études, à me prononcer sur les espérances de vie ou de mort de notre clientèle. Oui, je sais tout ça, Alice. Et vous croyez qu'il y ait une chance que 2 filles en stage à Malibu Beach soient toutes 2 dévorées par des requins en 4 semaines? Houston, apparemment, on comptabilise 10 affaires de ce genre par an et dans le monde entier. Oui, écoutez, Alice, jamais je n'ai été de parti pris. Enfin, mais je dois reconnaître que je ne vois pas du tout comment faire pour obliger un requin à écouter et lui demander d'aller supprimer quelqu'un. Je me rends compte seulement que Sue est ma petite fille. Mais il ne faut pas pleurer, Alice. Vous entendez? Écoutez-moi bien, ça va aller. On va s'occuper de toute cette histoire, c'est juré. Oh, vraiment? Et bien sûr, nous allons nous documenter, n'est-ce pas, Cidji? Mais de votre côté, soyez un peu raisonnable, je vous en prie. Et surtout, cessez de vous faire des soucis. J'appelle le spécialiste des requins pour lui annoncer ta visite. C'est vous, Houston? Eh oui, et vous? Wendell Murdoch. Ah oui, vous êtes l'expert en requins. Merci de bien vouloir me recevoir. Je ne vois pas très bien ce que je peux faire pour vous, monsieur Houston. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à vous consacrer. Mais votre message avait l'air de dire que vous étiez un ami de la fille qui a été tuée hier. Oui. Oui, enfin, façon de parler. Et vous, vous la connaissiez? Je suppose. En passant, comme ça. Je vis plutôt seul. J'aime les poissons, le reste, je m'en fiche. Eux n'ont pas la moindre malice. Oui, mais eux, ils peuvent tuer. Venez-en au fait, monsieur Houston. Voilà, un ami m'a demandé de me renseigner auprès de vous afin de savoir pourquoi ce requin pouvait bien en vouloir à Emily et à cette autre fille. Probablement parce qu'il réagit à la chaleur ou au vent. Je vais vous fournir une information sur les requins. Ce sont les êtres vivants les plus anciens sur notre planète. Depuis plus de 6 millions d'années, jamais ils n'ont changé. Ils peuvent terrifier, certains sont magnifiques, mais ils n'ont aucune rancune.
Et pourtant, ils ont tendance, dans certains cas, à attaquer l'homme s'il s'approche de trop près. Mais reprocher à cet animal de dévorer ses proies, c'est empêcher un chien d'aboyer. C'est sa nature. C'est pourquoi je ne lui reproche rien, mais j'essaie de comprendre la raison pour laquelle il a tué ses filles. Tout le monde dans la région me dit que vous êtes expert, alors je suis venu dans l'espoir que nous allions en parler un petit peu. Ils ont dû vous dire aussi que j'étais considéré comme asocial. Oui, en fait, je pense que les requins ont plus de droits sur les océans que les surfeurs ou les vacanciers, car c'est leur domaine. Les hommes ont peur, mais ils éprouvent le besoin de les chasser ou de les blesser. Eh bien, ça prouve qu'ils sont machos et cons. Oui, mais enfin, pourquoi notre requin ne serait-il pas macho lui aussi? Et seulement, ces deux jolies filles le laissaient tranquille et il les a pourtant tuées. En voilà assez. Non, écoutez, attendez une minute. Ce requin a fait 2 victimes en moins de 4 semaines. Vous ne trouvez pas ça un peu beaucoup pour un requin, même asocial? Un expert doit avoir une théorie là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez ma théorie? Ma théorie, c'est que ce sont des types comme vous qui rendent des types comme moi asociaux. Le requin fait une seconde victime. C'est vrai, tous les gens à qui j'ai parlé d'Émilie l'aimaient, elle n'avait pas un seul ennemi au monde. Mais quand j'ai tenté d'aller plus loin et de creuser un peu sa personnalité, personne n'avait plus rien à dire. Ils forment vraiment un petit groupe très fermé. Non, c'est vrai, non, c'est très chic d'être loyal envers ses amis, mais nous sommes devant 2 meurtres, ils devraient s'en rendre compte. Et puis il y a une chose que j'aimerais bien savoir, pourquoi ces 2 filles ont-elles été tuées? Pour ça, il faudrait trouver un mobile. Est-ce que tu as un plan? Et je vais te dire, CJ, il y a forcément un moment dans la vie où on doit accepter de se sacrifier pour une bonne cause. Tu crois ça? Oui, alors je m'avais donné le coup d'envoi de la partie, mon petit. Heureusement, Houston avait appartenu au garde-côte dans le temps et sa licence était encore valable. Et le travail ne lui a jamais fait peur. Et la plage est vraiment déserte aujourd'hui. C'est vrai. Vous allez voir que l'administration va nous diminuer nos salaires. J'ai l'impression que le requin a dû flanquer le trac au baigneur. Ah merci, Sou, tu n'arrêteras donc jamais d'en parler. Phil, pardon, ça m'a échappé. Phil et Emily flirtaient. Plus que ça encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben quoi, ils étaient presque fiancés. Ils ne se voyaient pas depuis longtemps. Emily fréquentait un autre gars et elle a décidé de ne plus le voir du jour au lendemain. Et alors ce type, il a un nom? Oh oui, Wendell Murdoch. Il travaillait à l'Oceana Fun Park. Ah, ce bon vieux Wendell. Notre cher expert en requins, mais ça peut être intéressant. Sou, est-ce que ta maman t'a tout expliqué? Oui, ça m'a même étonnée. J'ignore pourquoi elle n'accepte pas le fait que je ne sois plus une enfant et que je doive me débrouiller toute seule. Parce que c'est ta mère. Et tu sais, elle t'aime beaucoup, Sou, je te le dis. Un de ces jours, tu t'en rendras compte. Ça prendra du temps, mais ça arrivera. Je sais. Hey, Houston, vous savez, j'ai bien failli vous envoyer balader. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Un requin! Un requin! Sortez tous de l'eau! Un requin! J'y vais, va demander de l'aide. Essayez d'atteindre la côte. Essayez d'éloigner. Je crois que c'est cet objet qui nous a porté chance après tout. Ouais. Merci.
n'était toujours pas convaincu que les requins puissent être utilisés comme des armes meurtrières. Toutefois, pour le cas où ce serait possible, il a décidé de rechercher un dénominateur commun parmi l'entourage immédiat des deux jeunes disparus. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir, seulement 4 personnes étaient avec Scott Neville pendant que les deux jeunes filles étaient la proie des requins. Bon. Voyons d'abord notre hôte génial. J'ai nommé Monsieur Neville, connu comme le roi de la télé commerciale. Les spots qu'il a produits couvrent tous les marchés des sodas jusqu'au bain moussant. Il pèse des millions. Il a donné plus de parties que le reste d'Hollywood et il adore les dames, spécialement les jeunes filles qu'on voit sur les plages de Malibu. Ah, mais ça, c'est Glenda Collins. Ah, pour moi, c'est un monstre sexuel parmi les stars. Et il y a longtemps qu'elle n'a rien tourné. Tu sais, dans le showbiz, on est vite oublié. Eh oui. Dis donc, CJ, est-ce que ce n'est pas un peu dégradant pour elle de faire de la pub dans sa position? Oui et non. La vérité, c'est que premièrement, elle a besoin d'argent et qu'ensuite, elle espère devenir Madame Scott Neville. Ah. Eh bien, elle devrait se méfier de la concurrence des gardes-côtes, je crois. Oui, ben, si c'est le cas, j'espère que M. Neville a une assurance médicale. Parce qu'il y a quelques années, quand elle a trouvé son second mari avec une autre femme, le pauvre type ainsi que la maîtresse ont été évacués en ambulance. Charmant. C'est comme ça. Ah, voici Sam Gleason, l'écrivain. Il a eu quelques titres sur la liste des best-sellers lorsque le sexe et la violence étaient à la mode il n'y a pas tellement longtemps. Hmm. Mais récemment, il a eu quelques coups durs. Ah oui, oui, attends que je me rappelle. C'est pas lui qui avait monté ce fantastique coup de publicité pour faire vendre son chef-d'œuvre? C'est ça, oui. Il avait imaginé une histoire à dormir debout sur des petites bêtes, genre chauve-souris, qui terrorisaient l'Ouest. Et puis un soir, il a loué un petit avion et il a balancé 500 bestioles sur Chicago. Vivante. Et de quoi parlait le bouquin précédent? Oh, je sais plus de quoi ça parlait, mais je me souviens que j'avais trouvé qu'il avait un drôle de titre. L'allée des requins. Hmm. Ah, celui-là, je le reconnais. Wendell Murdoch, l'expert en requins. En dehors du fait qu'il nous a menti sur ses relations avec la petite Emily, je crois dur comme fer que c'est un gars qui ne s'intéresse qu'à ceux qui possèdent des nageoires et qui vit dans l'eau. Non, il a, je crois, ce qu'il est convenu d'appeler un certain sens de l'humour. Il paraît qu'un professeur au collège l'avait humilié, alors il a acheté 2 piranhas qu'il a mis dans son aquarium. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, une centaine de poissons de prix flottaient lamentablement à la surface. Ah bon? Mmh. Ah, s'il était prouvé qu'on puisse transformer un requin en une arme redoutable, nous aurions à ce garçon un candidat de premier ordre. Il paraît qu'il n'a pas tellement d'amis. Toutefois, il ne faut pas oublier que nous avons encore d'autres suspects. Oh, ce sera facile, tu sais, d'après ce qu'on m'a raconté, je pense que Scott Neville donne une nouvelle partie demain. Ah ben, il n'arrête pas celui-là. Eh bien, on va se faire inviter et il faudra ouvrir l'œil. Oh, mais c'est Sodome sur mer, dis donc, ici. Je me demande où est notre hôte. C'est vrai, je ne le vois pas, mais je vois Sam Gleason, par contre. Ah, mais c'est vrai, c'est lui l'auteur de l'Allée des requins. Hein? Et CJ, toi qui te connais en littérature, pourquoi n'essaierais-tu pas de le baratiner et lui demander de te parler un peu de son bouquin? Et pendant ce temps, je chercherai notre hôte. Hein? Tu es un amour. C'est ça. Je tiens à te dire que j'ai accepté de tourner ces films uniquement pour toi. Alors fais ce que je te demande. Mais tu disais qu'on tournerait à Tahiti. Oh, chérie, voyons. J'ai besoin de tourner quelques plans ici, d'abord. Les plans du bain, hein? Ça t'inquiète pas que je risque de tomber sur ces saloperies de requins? Chérie, je t'aime. Je ne te laisserai jamais faire quelque chose de dangereux, voyons. J'ai peur, Scott. Je le ferai, mais je te répète que j'ai peur et je veux que tu le saches. Entrez. Monsieur Neville, excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Je m'appelle Matthew Stone, je suis le nouveau garde-côte. Moi aussi, oui. Voilà, je viens de la région de Newport, vous connaissez? Ah oui, bien et alors? Oui, je bois tout seul, ce n'est pas mon habitude, voyez-vous, mais de temps en temps. Ah, vous en voulez, hein? Non, non, merci, non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, vous savez, j'ai une amie qui est la mère d'une fille qui vient d'entrer dans les gardes-côtes. Et aussi, vous imaginez combien elle se fait du souci. Ah, comment l'en blâmer? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Voyez-vous, monsieur Neville, elle a eu cette idée incroyable pour une personne sensée que les deux filles gardes-côtes auraient pu être assassinées par des requins. Pardon? Comment faire pour obliger un requin à commettre un meurtre? Et c'est ce que je me demande et c'est ce que j'essaie de découvrir ici. Il n'y a qu'une seule personne dont je sois vraiment convaincu que je ne pourrais jamais obtenir un renseignement. J'ai essayé de le rencontrer, mais je n'en ai rien tiré. On m'a dit qu'il était de vos amis et qu'il venait fréquemment à vos réceptions.
Wendell Murdoch. Oui, c'est ça, c'est lui. Wendell connaît les requins mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et je suppose qu'on peut dire que nous sommes effectivement des amis. Mais pourtant, M. Wendell est un type difficile à comprendre. Oui, c'est ce que j'ai pensé quand je lui ai parlé. Et s'il a décidé de ne pas vous aider, ni moi, ni personne ne pourrait espérer le faire changer d'avis. Mais quoi qu'il en soit, c'était à tenter. Bah, évidemment. Si c'est un aussi drôle de type, je m'étonne, comment dire, que vous le receviez chez vous. J'apprécie beaucoup sa conversation. J'ai accepté d'examiner avec lui un séduisant projet, un film qui ferait le point sur le massacre de certaines races. Que vous réaliserez vous-même? Non, non. Je participerai au script et peut-être bien que je produirai le film moi-même. Alors les requins vous passionnent? Oh, non, j'ignore à peu près tout sur ces bêtes. Enfin, en dehors de ce que Wendell m'a appris. Non, ce film serait pour moi une façon de maintenir la balance de la nature en équilibre. Vous n'avez toujours pas soif? Non, sans façon. Non, j'ai beaucoup mieux à faire que ça. Et aujourd'hui, mon seul souci consiste à maintenir la balance de la nature, comme vous dites, en faveur des jeunes gardes-côtes. Comme je le dis toujours, je suis un type dans le genre des Mingway. Je ne veux parler que de ce que je connais. Je fais mes propres recherches, car rien ne se substitue à la réalité, voyez. Je partage absolument vos sentiments. Enfin, je voudrais pas avoir l'air d'assister, mais pourtant j'aimerais que vous me parliez des personnages de votre ancien livre. Vous savez, l'allée des requins. Oh non, épargnez-moi cette histoire. Par contre, mon prochain livre figurera parmi les best-sellers de l'année. Vous connaissez le titre? Non, allez-y. Sexe sur le Kilimanjaro. Tout simplement génial. Oui, ça vous plaît? Oh, j'adore. Mon nom va côtoyer les plus grands. C'est Irwin, machin, truc, enfin, ah oui, Sidney Shelton, capote, Miller, en un mot, le dessus du panier. Oui, mais ça, c'est l'avenir. Moi, pour le moment, je lis vos vieux bouquins. Vous seriez gentil de me faire la liste de vos principaux titres dans le genre, l'allée des requins. Une minute. Ah oui, oui, c'est ça. L'inspiration m'a fait, j'ai une idée fameuse. Ah, attendez, attendez. Tenez. Tenez, écrivez. Écrivez tout de suite votre numéro de téléphone. Pourquoi faire? Mais parce que je vais faire de vous la prochaine héroïne de ma nouvelle. Attendez, de la comment dire, la célèbre. Célèbre. Encore plus célèbre qu'Émilie Merel. Qui? Émilie Merel, vous savez, la fille qui a été tuée l'autre jour. Vous lui aviez pas promis quelque chose dans le genre? Non, bah c'est, oui, c'était terrible. J'arriverai jamais à oublier ça. Et oui, je vous disais, donnez-moi votre numéro et... Non, je vais le noter, tenez. Vous la connaissez bien, hein? Oui, non, enfin... oui, un tout petit peu, si vous voulez. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Écoutez, on pourrait faire un marché. Vous, vous me dites où je peux me procurer l'allée des requins et je vous dis, moi, la raison pour laquelle je vous pose toutes ces questions. Vous savez, vous êtes un cas. Oui, ce qu'on appelle chez nous un personnage. Mais certainement pas une héroïne. Alors, comment ça a marché? Oh, pas mal, mais je suis sûr qu'il va passer un bout de temps à réfléchir. Elle le cache, mais elle a le trac. Ah oui, elle a peur. Jamais eu autant de requins par ici. C'est étrange. Ouais, ce qui m'inquiète, moi, c'est avant tout le fait que ces requins s'en prennent surtout aux filles. Non pas exactement aux filles, mais aux filles garde-côtes. Il y aurait quelque chose de plus important que le hasard dans tout ça? Mais voyez-vous, Phil, je sais que ça semble idiot, mais je serais beaucoup plus tranquille si j'étais absolument sûr que chaque fois que Sue entrera dans l'eau, l'un de nous restera auprès d'elle. Allons donc, vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont orgueilleuses et Sue n'est pas du genre à lâcher prise. À propos, ordonnez une petite fête après le travail pour son anniversaire. Nous avons pensé à l'annuler après la mort d'Émilie, mais il y a plein de copains qui sont déjà en route. J'espère que vous viendrez. Ouais, vous pouvez y compter. Et ils ont pas le droit? Non mais c'est pas vrai, enfin quoi, ça va pas? Non, du calme, je vais m'en occuper. Hé, c'est interdit, vous ne savez pas? Désolé. J'avoue que j'ai vraiment peu d'expérience, alors excusez-moi. Vous ignoriez que c'est interdit dans ce secteur? Oh, mais on s'est déjà rencontrés. Eh bien, alors aidez-moi. Ah oui, c'est ça, c'était chez M. Neville. Vous sortiez en courant, j'étais derrière la porte, et j'ai même remarqué que vous étiez sérieusement mal en point en sortant. Ah, vraiment? Ah, ouais. Eh bien, voilà.
C'est très bien, je vous remercie. Encore une question. Des gens, une, deux fois, m'ont rapporté que vous faites de la télévision commerciale, c'est exact? Ça ne risque pas d'handicaper votre carrière cinématographique? En fait, c'est exceptionnel. C'est par faveur pour Monsieur Neville. Nous allons nous marier. Hein? Vous ne plaisantez pas? Oui, à Hollywood, pas mal de gens ont le sens de l'humour. Alors, je vous somme de vous expliquer. Je crois que Neville est une espèce de cavaleur. Il chasse les minettes. Oula. Peut-être bien que j'aurais pas dû dire ça. En tout cas, j'ignore où vous voulez en venir, Tarzan. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes un emmerdeur. Que j'avais souhaité. Je voudrais savoir où Phil est passé. Ça lui prend bien longtemps pour amener une bière. Allons, ne t'inquiète pas, il sera bientôt de retour. Tu sais, beaucoup de gens disent que le bonheur ici-bas, c'est un petit peu comme le miel. Si on en répand assez autour de soi, on peut en récolter un peu. C'est une très jolie pensée, Houston. Je suis certaine qu'il y a du miel en elle. Allons, Sidji, cette petite est un démon et vous ne voyez pas que vous avez un crabe, là, regardez. Oh. Et c'est quoi ce truc-là? C'est un cadeau, un porte-bonheur. Mais surtout, ce qui fait son charme, c'est que j'ignore qui me l'a offert. Il n'y avait pas de carte avec? Non, non, elle a dû se perdre. C'est une gentille idée, n'est-ce pas? Vous savez, Émilie avait la même chose. Tu me la confies quelque temps, ça ne t'ennuie pas? Non, si tu veux. Sou, joue-nous quelque chose! Allez, vas-y, oui. Et tu es prête, Sou? Merci. Voilà. Et applique-toi, je t'en prie. Tu devrais donner ça à Novelli et lui demander de le faire examiner au labo par ses amis. Vous cherchez quelque chose de spécial? Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils doivent chercher, mais s'il y a quelque chose, ils le trouveront. Et puis, je voudrais aussi que tu me ramènes des renseignements sur ce monsieur au visage souriant et sur cette espèce de star de cinéma qu'il invite chez lui. Quel genre de renseignements? J'ai besoin d'un compte-rendu de l'état des finances de Scott Neville. Et je serais curieux de savoir combien ce type vaut exactement. Et pour la femme? Je voudrais savoir si elle est dangereuse ou non. Je crains fort de ne pas m'être conduit en gentleman quand je lui ai parlé cet après-midi. Je crois qu'elle s'emporte facilement. Ça, on le savait, depuis qu'on l'a vu s'attaquer à son ex-mari et à sa maîtresse. Oui, mais ce que nous ne savons pas, c'est si cette scène s'est produite sous l'inspiration du moment ou si elle était préparée depuis longtemps par cette femme. Allez, tout le monde à l'abri. Phil Brombie, le garde-côte, prétend que pendant que tu te faisais assommer, on lui a embouti l'arrière de sa voiture et que ça l'a immobilisé. Ça a été vérifié? Non, ça, je ne sais pas encore. Mais Vince, ne te mets pas en colère, je posais juste une question. Parlons d'autre chose. Est-ce que le labo a pu découvrir quoi que ce soit sur le collier qu'on leur a envoyé? On l'a eu il y a quelques heures à peine et il n'y est sûrement pas encore arrivé. Et de toute façon, crois-moi, pas un seul employé du labo ne l'examinera avant demain matin. Du calme, Vince. Eh bien, je suppose qu'il est inutile de te demander si tu aurais pu avoir quelques détails sur l'arme avec laquelle on m'a tiré dessus. Non, c'est un fusil à flèche très normal. Je me demande si la victime devait être toi ou bien Sou. J'imagine que c'est moi. Tu sais, j'ai posé tout un tas de questions sur l'emploi du temps journalier des gardes-côtes. Et tu dois toujours aller aux toilettes quand le repas est servi, toi. Quand faut y aller, il faut y aller, papa. Vince, si c'est moi qui étais visé, ça veut dire que notre requin doit tuer une autre personne. Vince, je crois que tu ferais mieux de... Bon, tu vas pas recommencer avec ta théorie sur le requin. Oui, hein? Vince, je sais que ça a l'air idiot, mais c'est la seule qui tienne debout. Et en tout cas, moi-même, je commence à penser que c'est vrai. Enfin, je crois que je commence...
Attends, oh là, non, 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 attends, attends. D'accord, d'accord, prouve-moi que les requins peuvent être dressés à tuer. Allez, mange, mon petit, mange. Mais ensuite, donne-moi le mobile. Alors peut-être que je marcherai. Peut-être que tu devrais aller dans nos bureaux, consulter les archives et en cherchant bien, tu trouveras le requin qui tue. Je te trouve pas très drôle ce soir, Vince. Je ne suis pas d'excellente humeur. Ma femme est allée au mariage de sa sœur pour 3 jours. Et jamais j'aurais cru que les femmes comme puissent travailler autant. Comme ils sont gentils, hein, Houston. Regardez-les. Vous avez déjà vu des enfants aussi beaux? Ils ont un appétit. Mamma mia. Ce sont des Italiens. Ça veut tout dire. Oh, ils vont devenir gros et forts. Hey, non, je les aime. Je les aime. J'ai l'impression de vivre avec des ogres. Si tu savais ce qui me coûte en nourriture. Oui, ils ont l'air capables d'avaler un bœuf, ces enfants. Oui, et dommage que leur père n'ait pas la sagesse de manger comme tous ces petits. Il aurait probablement assez de force pour faire d'autres fils que ces 4-là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ce machin-là, oh, mamma mia. Je crois qu'il est trop tard pour m'enfuir et m'engager dans la marine. Oh non. Oh. Oh, qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai très peu de temps et beaucoup de travail. Il faut que je nourrisse un gros requin blanc qu'on a attrapé la nuit dernière. Oh, vous devriez faire attention, j'avais un ami qui avait l'habitude de glisser sa main dans la bouche d'un lion pour rigoler et on l'appelle le gaucher maintenant. C'est très amusant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux toujours la même chose, je veux savoir qui a fait de ses filles de la nourriture pour requins. En attendant, j'aimerais savoir si le bassin communique avec l'océan. Oui, il y a une voie qui amène tout droit à l'océan. C'est comme ça que l'eau de mer arrive ici. Ah oui, ça veut dire que les requins vont et viennent comme ils veulent si on leur permet de le faire. Si on faisait ça, rien ne prouve qu'ils reviendraient. Sauf évidemment si quelqu'un avait mis au point un système pour les faire revenir. Et oui, voyez-vous, j'ai lu ça dans un petit article de journal spécialisé dans la vie marine. Un type avait mis au point une théorie disant qu'on pouvait faire aller les requins où on voulait dans la mer avec un signal à basse fréquence. Un type, dites-vous, hein? Ne jouez pas à ça avec moi, vous savez que le type, c'est moi. Si vous avez lu l'article, vous savez aussi que je disais que ce procédé était loin d'être au point. Et alors pourquoi ai-je la curieuse impression que vous avez réussi à trouver? Et pourquoi ne me diriez-vous pas où vous étiez hier après-midi à 5h? Pourquoi vous ne me diriez-vous pas une chose? Qui êtes-vous? Vous n'avez rien d'un garde-côte? Qu'est-ce que vous êtes, un flic? Non, je pose des questions, c'est tout. Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question. J'étais avec Monsieur Scott Neville et vous pouvez vérifier. Alors, vous étiez en train de travailler à votre manuscrit sur la conservation des requins. Qui vous a parlé de ça? Monsieur Neville, ça vous ennuie? Vous savez, Wendell, être peu sociable, c'est une chose. Mais être stupide, c'en est une autre. Je suis très heureux de vous avoir vu, monsieur Neville. J'étais venu parce que j'étais à la recherche de Wendell et j'ai pensé qu'il pouvait peut-être être en train de travailler sur le script avec vous. Vous auriez dû venir hier soir, il a travaillé sur le script jusqu'à minuit passé. Il doit être à son poste maintenant. Oui, ben je vais aller voir. Encore merci. Oh, excusez-moi, je m'appelle Debbie, je suis en retard au rendez-vous de monsieur Neville, c'est pour un travail demain. Ah oui, vous trouverez monsieur Neville là-bas. Houston! Houston! J'ai les papiers à vous faire signer, attendez-moi! C'est bien Neville que vous cherchez, oui. Écoutez, vous voulez réellement ce travail? Oh, je ferai tout pour l'avoir. Enfin, presque tout. Oui, alors voilà ce qu'il faut faire. Ne regardez pas tout de suite, mais c'est monsieur Neville qui arrive là-derrière. Et alors, il est un peu excentrique. Et alors? Il a des réactions assez étranges. Il va probablement vous dire qu'il s'appelle Murray, qu'il cherche un type qui s'appelle Houston, mais vous ne faites surtout pas attention à ce qu'il vous dit. Si vous voulez vraiment avoir ce travail, venez, je vais vous dire moi ce qu'il faut faire. Vous êtes sûr? Ouais. J'avais entendu dire que les gens de télé étaient bizarres, mais... Ah, mais il n'est pas seulement bizarre, lui, il est carrément dingue. Houston, il faut que vous signiez ça. Il y en a pour une minute, après vous ferez ce que vous voulez. Bonjour, monsieur Neville. Ah non, 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 moi je m'appelle Murray. Et moi, Debbie. Je m'appelle Murray. Je vous dis que il m'avait dit que vous diriez ça. Je dois parler à Houston. Il m'avait dit que vous diriez ça. Oh. Il m'avait dit que vous diriez ça. Il a quoi? Vous savez ce qu'il m'a dit aussi? Non. Il m'a dit que je devais faire ça. Ah, 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 ah,
d'accord. Matt, viens ici. On risque de perdre beaucoup d'argent. Non, ça n'est pas possible. Il y a aussi tout le monde. On comprend plus ça, la légère. Allons, allons, soyez gentille et laissez M. Houston tranquille, s'il vous plaît. Enfin, M. Houston. Non, 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 mademoiselle, je vous en prie. Vous verrez M. Houston plus tard. Oh, Matt, tu sais qu'avec toi, rien ne m'étonne. Pourquoi? Il va m'arriver une catastrophe. Tu as une de ces chances, regarde ça. Ah, le livre de Sam Gleason, L'allée des requins. Matt, je l'ai lu, c'est un plan parfait pour un meurtre. Bon, et pour deux meurtres? T'as gagné. Deux femmes? Encore gagné. Deux garde-côtes? Toujours gagné. Attaqués par des requins tous les deux? Là, tu as perdu. On y parle d'un jeune et riche texan qui aime bien jouer les détectives. Pas étonnant que ce livre ait bien marché. Mais ce jeune et riche texan s'arrange pour que tout le monde croie que c'est le requin qui a tué. Mais nous savons que c'est le requin. Il y avait des tas de gens qui étaient là, et ça, tu le sais très bien. Tu veux être gentil et arrêter de me regarder comme le suspect numéro un? Mais ces crimes n'ont aucun mobile. Enfin, pourquoi voudrait-on tuer des filles garde-côtes? Oui, il y a beaucoup plus important. Il faut trouver quel est celui ou celle qui peut transformer un requin en une arme meurtrière. Tu nous ramènes à... Oui, je sais, à Wendell. Et Wendell. Wendell, notre meilleur spécialiste en requins, qui entretient des relations amicales avec un requin tueur qui peut aller et venir comme il veut. Et qui fait des expériences sur la manière de se faire obéir et des requins. Et qui m'a menti au sujet de ses relations avec Emily. C'est sûrement lui le coupable. C'est lui, ça ne fait aucun doute. Allô? Houston? Ah, c'est toi, Vince. On vient de découvrir Wendell tué par la flèche d'un fusil sous-marin. Viens me rejoindre. D'accord. Je suis près des bassins. Mais voilà, c'était Vince. Il est avec notre suspect numéro un. Je parie qu'il est en train d'avouer. Non, on lui a tiré dessus avec un fusil sous-marin. Il est mort. Écoute, Vince, deux garde-côtes et un spécialiste en requins sont morts et tu n'es toujours pas convaincu. Cette affaire de meurtre est la plus embrouillée que j'ai jamais rencontrée. Ah, Vince, tu as dit meurtre. Est-ce que ça veut dire que tu es convaincu, alors? Au point où j'en suis, je suis prêt à croire que E.T. s'est marié avec Cendrillon. Bon, enfin, soyons sérieux. Ce médaillon que tu m'as donné à examiner, ouais. Oui, ça a pris du temps, mais le labo a découvert un émetteur à basse fréquence à l'intérieur. C'est vrai? Eh bien, cet émetteur ressemble à celui que Wendell avait décrit dans ses articles. Peut-être qu'il l'a perfectionné. Ah, ça y est, j'ai une idée qui expliquerait tout. Supposons que l'assassin se soit servi de Wendell, qu'il ait utilisé tout ce que Wendell savait des requins. Et alors l'assassin se serait servi de ces fameux requins comme d'une arme et il aurait tué les gardes-côtes. Et supposons que Wendell ait tout découvert et qu'alors il est menacé de tout dire. Donc on le tue. Mais pourquoi cet assassin aurait-il tué les gardes-côtes d'abord? Si on le savait, on tiendrait le fin mot de l'histoire. Et on serait comme des poissons dans l'eau. Bonjour, papa. Il ne s'arrête jamais de manger. Hein. Vince, pourquoi on s'assied ici alors que tes enfants sont assis là-bas? J'aime mon confort. Ah, tu veux dire que les voir manger autant te coupe l'appétit? Non, mais c'est que je ne supporte pas de voir quelqu'un manger des spaghettis avec les doigts. Attenzione, mio figlio. Et voilà un bon plat des pâtes bien nourrissant. Non, maman, on n'a pas faim. Vincenzo, ma pourquoi tu ne ressembles pas à tes fils? Oh, bien sûr que tu n'as pas faim, tu ne manges pas assez pour avoir faim, tu n'as pas assez de force pour avoir faim. Maman, il y a eu un meurtre. Comment ça, un meurtre? Eh oui, deux jeunes femmes, maman, et si nous ne trouvons pas l'assassin très vite, il pourrait y avoir un autre meurtre. Eh, ma con, mais quel genre de policier tu es, Vincenzo? Il peut y avoir un meurtre et toi, tu ne penses qu'à manger? Mamma mia! Pourquoi n'es-tu pas comme Houston, Il ne mange jamais, lui. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils? J'ai jamais l'impression que ma mère vient d'une autre planète. Attends une minute. Dans cette affaire, c'est peut-être nous qui vivons sur une autre planète. Vince, réfléchis. Ce que nous cherchions jusqu'à maintenant, c'est un mobile. Un mobile qui expliquerait l'assassinat de ces deux filles. Et si les deux gardes-côtes n'avaient été tués pour aucune autre raison que pour cacher un autre meurtre qui, lui, ne s'est pas encore produit? Celui d'un troisième garde-côte? Oui, trois, quatre ou cinq. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, c'est pas ça qui est important. La toute dernière victime pourrait très bien ne rien avoir à faire avec les garde-côtes. Deux meurtres pour en cacher un troisième? Pourquoi? C'est pour nous lancer sur une fausse piste, Vince. Et nous avons marché depuis le début de cette affaire. Mais ta théorie est valable, mais nous avons toujours un meurtre sans mobile. Ça n'est pas forcément vrai, Vince. Vous regardez, on dirait des runners qui viennent de se gaver. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une idée exacte de l'état des finances de Scott Neville. Les finances de M. Neville ressemblent au Titanic. Son idée de publicité télévisée est apparemment très dépassée depuis des années. Notre homme vit sur un grand pied, mais plus personne ne lui fait crédit. Oui, je comprends la situation de Neville. Avez-vous jamais essayé d'acheter de la nourriture pour quatre enfants? Ça ne fait pas de lui un assassin. J'étais du même avis que toi jusqu'à ce que je découvre une grosse dépense qu'il avait fait le mois dernier. Il a emprunté tout ce qu'il avait pour une assurance vie de 10 millions de dollars. Il assure sur la vie la vedette de sa dernière pub télévisée. Glenda? C'est gagné.
Et si ce n'est pas déjà fait, je vous parie $1 que Monsieur Neville a offert à Mademoiselle Glenda Collins un de ses colliers dont il a le secret. CJ, viens avec moi. Vince, tu vas contacter la patrouille de surveillance du port et leur dire de rechercher les requins autour de la maison de Neville. Murray, prenez la voiture de CJ. Moi, je vais prévenir Glenda. Ah, chère Glenda, vous êtes ravissant. Où est passé Scott Neville? Il a dit qu'il revenait tout de suite. Alors voilà ce que vous devez faire. Vous nagez vers le large jusqu'à une cinquantaine de mètres et à mon signal, vous revenez le plus vite que vous pouvez, d'accord? D'accord, finissons-en le plus vite possible. Attention, on ne fait qu'une prise. Pas de problème, à vous Glenda, quand vous voulez. Partez, allez, allez, allez! Attendez, Mademoiselle Collins, sortez de l'eau! Mais vous voyez pas que vous nous avez fait rater une prise? Vous êtes peut-être fait rater une prise, mais c'était pour lui faire rater son repas, lui! Oh! J'avais pourtant essayé de dire à Scott que c'était dangereux. Ouais, mais je ne pense pas qu'il vous aurait écouté parce que c'est lui qui voulait vous faire manger par le requin grâce à ça. Sue nous a préparé vraiment un excellent dîner. Je suis content de voir que sa mère et elle s'entendent bien mieux maintenant. Oui, elle a enfin compris que sa fille pouvait mener sa barre toute seule. Bonjour, vous. Nous nous sommes vus chez Monsieur Neville, dans l'autre maison. Eh, hey, c'est ça, oui. Eh, hey, tout à fait. Houston, je peux m'expliquer. Sans doute fort. Quelque chose ne va pas, Monsieur Neville? Chut, je vous en prie, vous taisez-vous. Débile. Mais, Monsieur Neville... Debbie, Monsieur Neville, un des plus grands producteurs de Hollywood, un des seuls qui soit capable de faire des dialogues. Non, écoutez, ça suffit, Houston. C'est vous qui lui avez dit que je m'appelais Neville. Attendez, vous n'êtes pas Monsieur Neville? Debbie, eh bien, je... Eh bien, en fait... Ah oui, je crois que Monsieur Neville essaye de vous dire que nous ne sommes pas à notre place ici et que nous avons commis une erreur monumentale et je promets que ça ne se reproduira plus. Alors au revoir, madame, et au revoir, monsieur. Oh, mais j'y veillerai. C'est ça, la prochaine fois, hein. Monsieur Neville, parlez-moi de mon rôle dans la prochaine fois. Debbie, pour la dernière fois, ne m'appelez pas Monsieur Neville, appelez-moi Scott.